Ah, et bonjour. Ah, bonjour tout le monde. Y a personne. Mais tais-toi, toi, là-bas. Sois sympa pour une fois. Enfin bref. Sans commentaire. Pas. C'est toujours en décalé. Oula, le son est un peu fort, le son du bureau est un peu fort. Là. De quoi? Là, j'ai changé que la. Que le son du jeu. Donc bon. Allez, alors. On la voit la neige? Non, tu la vois pas tomber la neige. C'est dommage. Alors, Dragon d'Inde doré. On va aller chercher ça. Avec mon petit thé. Du thé matcha. Pas fait pour moi ça. Alors, on va faire cette petite mission déjà. Il nous faut des ailes de Dragon d'Inde doré. Pour deux. Merci. Y arriver un jour à faire un truc correct. Ah, oh, il est trop stylé son pierre. C'est trop stylé. Je fais une petite mission et après je dis bonjour à tout le monde dans ma guilde. J'ai même pas vu qui c'est qui était là. Hop, allez prier. Oh, il est bon. Tité, il est pas mauvais. Salut, fais vite, je n'ai pas le temps de perdre en palabres. Demande à quoi va servir l'offrande. Je voulais qu'en préparant mon offrande, les gens pensent à moi. Il me fallait donc trouver une créature associée à mon thème. D'où la dragonnade dorée. Sans doute l'une des créatures les plus rapides du monde des douze. J'aurais pu demander un bras de Jiva, mais la chasse à l'offrande aurait rencontré moins de succès. Quant à son utilité concrète, je n'en sais rien. Je pense la refourguer à Emp, le méride du recyclage. Sanidine du sort cruel des dragonnades. Oula, du calme! J'apprécie que tu sois prompt à réagir, mais fais-le sur un autre ton. Je n'étais obligé à rien, je te signale. Tu as allègrement massacré des dragons d'Inde dorés, parce que tu le voulais bien. J'ai rien massacré du tout, j'ai juste acheté. D'ailleurs, entre nous, d'autres aventuriers ont été bien plus rapides que toi pour obtenir le même résultat. Donc évite de trop la ramener. En plus, tu dois être un larbin d'Enebi pour ne toujours pas avoir de Dolmanax en ta possession. Ce n'est pourtant pas compliqué de faire les choses vite et bien. Si? Quoique, je me fiche éperdument que ce soit bien fait du moment que tu n'y passes pas trois plombes. Va falloir penser à te remuer les miches. Et toi, va te faire. Voilà. Concrètement, c'est tout ce que j'avais à dire. Oui, comme il fait Hugo. Alors, voyons s'il y a du monde. Best meneur. Pas grand. On ne co.
Pas grand monde de co aujourd'hui. Sûrement bloqué par la neige. On dit quoi? Mutant pour faire le chemin du lieu au bureau, ça doit être chaud avec la neige. Oui. Très compliqué. J'ai de la chance. Oh. Pas sûr. Bordeaux. Il neige. Vraiment. Oh putain. GG. Rien de fou. Non. On lue. On est loin des. Pour une fois, mais désolé, un peu de chance. Ça pique ça. Moins 12. Enfin, moins 6 ressenti, moins 12. Et de France aussi. Non. Genre, c'est gentil. Léo, reprends-le. Les gens qui habitent sont plus pas que il y petit bouillon cet après-midi avec le froid, ça va être top. Oui. Enfin bref. Allez.
Mais... Même... Une préférence pour les gens du Nord. La France, c'est sympa. Ah non. Pas les Bretons. Ils sont trop chauvins, les Bretons. Salut Curio! Comment tu vas? Merci. Ça va bien, ça va bien. Je reste au chaud. Avec le temps qu'il fait dehors. J'espère que chez toi il fait pas trop froid. Jamais. Parle, il ne le baisse jamais, c'est différent. Il fait un peu frais encore à l'extérieur dans certaines salles. Comment ça, dans certaines salles? Il fait encore un peu frais là, à l'intérieur dans certaines salles. Ah d'accord, ouais, dans certaines pièces de la maison, ok, ça marche, désolé. Non, ça va. T'as pas mis trop de chauffage, mais ça suffit. J'ai la chance d'habiter en premier étage, donc j'ai mon voisin du dessus, mon voisin du dessous qui me réchauffe. Donc bon, c'est pas plus mal. Mais bon, là tu vois, j'ai de la chance. Je peux voir de la neige tomber chez moi. Ce qui n'arrive jamais. Sur Bordeaux, c'est très 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 rare. D'habitude, ouais, il y a 10 minutes de neige, 10 minutes de flocons. Et là, depuis 7 heures. 7 heures ce matin, 7-8 heures, ça neige en continu. C'est super. Sympa le titre du live. Tu en es où? J'en suis où sur Dofus? Bah attends, je vais te montrer ça. Bah tu vois, regarde, je monte petit à petit, je prends mon temps, j'apprécie mon...
Je prends le temps d'apprécier mon petit perso, niveau 122. Et là, je pensais, je vais essayer de voir si je peux trouver du monde pour aller sur Free Ghost. Parce que j'ai jamais fait encore. Enfin, ça fait très très longtemps et c'était sur Touch et tout ça, donc jamais fait. Et là, je commence à avoir le niveau de pouvoir y aller tranquillement. Serre Royal Moot, par exemple. Ou peut-être le Manceau, si je trouve du monde assez haut level. Ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa parce que bon, je commence à avoir besoin de up. Vraiment. Et je pense que tu en es où des quêtes autour du monde pour les donjons? Alors là, je t'avoue, j'ai. Je sais même pas si je l'ai lancé cette quête. Je t'avoue, je sais même pas si je l'ai lancé. Non, tu vois, je l'ai même pas lancé. Je sais même pas lancer cette quête-là. Eh ben, je vais aller la lancer alors. Je vais aller la lancer alors. C'est quoi ça? Les deux points. En résumé. Ok. Les quêtes tour du monde pour les donjons. Ouais, tour du monde, en résumé. Alors, où c'est qu'on la lance cette quête? À Hématome Pouce en bas à gauche d'Astrub. Ok. Alors, paf paf. Ça on enlève, ça on enlève. Alors, Dofus, pour les nouveaux. Et une autre, c'est PNJ soit à la taverne, soit au PNJ donjon champ. À gauche de l'enclos. Ok. Alors, tu m'as dit, c'est. Tour du monde. Mais pourquoi tu me. Attends 2 secondes. Ok. Ok, ça marche. Ça fait des camas et de l'expérience. Oui, bah t'as bien raison. Je suis entièrement d'accord avec toi, mais je vais voir ça. Alors, tu m'as dit tour du monde. Tour du monde. Il y a deux en 27 donjons. Après le nom, c'est pas. Enfin, je sais qu'il y a des quêtes qui s'appellent comme ça. Là, je suis sur Dofus pour les noobs. Et je sais que, ouais, tu vois, t'as le tour du monde. Ouais, tu vois, Astrub, champ d'Astrub. Faut le lancer à Meta Grobil. Mais ouais, c'est celui qui est à la taverne. Meta Grobil. Et c'est le tour du monde en 27 donjons. Si tu veux, j'ai un site. Ok. Et ça va jusqu'au Bworker. Atelier du Tanukai. Fabrique des fous d'artifice. 12 millions d'XP. Bien marche sur le chat. Oui, tu peux envoyer un lien. Après, voilà, faut pas envoyer n'importe quoi comme lien, sinon. Comment dire. Je suis sympa, je clique même moi aussi dessus. Le tour du monde d'Hématome Pouce. Blatt, maison fantôme, Nidhi Quaqua, grotesque. Ok. Les blops, ça tombe bien, je dois aller faire les blops. Ah non, Château du Bois, je l'ai fait hier, je crois, ou hier ou avant-hier. C'est pour te monter, pour te montrer en haut. Tu peux changer entre le tour du monde, le Metagorbide et Tom Pouce. Ah ouais. Ah, c'est top ça. Donjon squelette. Première quête, le maître des clés.
Après c'est les sbires, donc Scarafeuille je fais, Forgeron je fais, Boire je fais, Larve je fais, Crackleur je fais. Ouais mais tu vois ça peut être sympa parce que je peux me le refaire vite fait et certains donjons je peux les refaire vite fait, ça me dérange pas du tout quoi. Mais on va aller, tu sais quoi? On va y aller de ce pas. Je vais aller. Ouais, je vais essayer de me caler avec. Mais même si je dois relancer un petit peu, c'est pas bien grave, tu vois. Si je dois refaire un donjon ou autre. C'est pas grave. Ah putain, il a Mushaloni. Et t'as dit. Ouais, je sais, ouais, je vois ça. Ouais, je vais le lancer, comme ça je vais essayer de. Tous ceux que j'ai déjà fait et que je sais que je vais pas refaire de suite, ça m'embête parce que concrètement là pour Tompous, Nema Tompous, non il y a pas un sablé. Ah, si, château en sablé, je l'ai refait hier ou avant-hier. Bon, ça me prend 1 minute 30, hein, ça me prend, allez, véridique, 5 minutes à faire le donjon entier. J'ai fait quoi pour le moment d'important? Kawotte. Pour moi est important. De coco aussi. Ouais, j'ai récupéré de Kawotte et le de coco. Non, j'ai pas fait l'argenté encore. Je sais même pas ce qu'il donne l'argenté. J'y connais rien du tout, je suis nul. Je vais regarder ce qu'il donne l'argenté. Je sais même pas. C'est fort l'argenté. Je vais bien croire. Bon, pas me faire chier. Alors. Plus argenté. Alors, dès que le porteur descend en dessous de 20% de ses points de vie, il déclenche l'effet du Dofus. Ah si, 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 non, non, je l'ai. Je l'ai, oui. Pardon. Je l'ai le Dofus argenté. Il est là. Pour l'instant, je l'ai viré parce que j'ai mis ça. Mais, peut-être le... Je l'ai. J'étais étonné parce que si en plus... Je crois que j'avais fait en sorte de finir Incarnam et Astrub à 100% niveau succès. Et ça, j'ai déjà bien. Après De Coco, vu qu'il a été buff. Ouais, après là, c'est pas mal. Hein. Tous les 3 tours à partir du tour 3, rend 10% des points de vie maximum. Pour un sacri, c'est quand même pas trop mal quand même. C'était quoi ça? Une fois par contre, non, c'est 3 tours donc c'est fort. Oui, c'est ça, tous les 3 tours. Pof! Tu reprends 10% de points de vie. Ce qui est pas mal quand même. Ce qui est quand même assez intéressant. Toi, j'ai drop ça. Je vais cueillir ça au passage. Toi, tu me conseillerais de faire quoi du coup après? Si c'est ça. Parce que tous les conseils sont bons à prendre. T'as l'air de bien connaître le jeu. Mais il est plus là. Metagrobil, il m'a dit que. Et moi, pour tu causes la base. Ouais, j'avais commencé l'émeraude. J'ai commencé le succès pour l'émeraude. Non. C'est quête principale. Ouais, je vais aller voir. Toi, j'ai commencé, j'ai fait les trois premières quêtes pour avoir le Dofus Émeraude. J'aimerais bien, mais après, là, il faut que je me reprenne pour ça. Là, je pense que. L'amour perdu de Nabur. Donc, et apparemment, on m'a dit les bandits de Kania, c'est chiant. On dit que c'était un peu compliqué. Après Emerald, c'est un enfer à farmer un peu. Oui, mais bon. Ça reste quand même un gros Dofus, quand même. Ça reste l'emblème du jeu, celui-là. Tu vois, j'avoue que j'aimerais bien l'avoir.
Ça reste quand même. Après, ça. C'est pas l'ocre. Non. C'est sûr. L'ocre, il est un poil plus long, quand même. L'éternelle moisson, c'est un truc. L'éternelle moisson, j'y suis pas encore. J'ai pas la motivation de le faire encore. Ce sont déjà. J'ai pas le level. Parce qu'il faut pouvoir se faire des. Beaucoup de donjons et beaucoup de donjons au level. Bah, tu vois, ça prend un mois quand même. C'est une petite session, ouais, mais un mois quand même. C'est pas. Oui, pour l'ocre. C'est long quand même. Hein. C'est pas excessivement. C'est pas le Dolmanax non plus. Qui lui te prend concrètement un an. Mais c'est long. Je croyais que tu le disais dans le sens. C'était pas très long, c'est pour ça que j'insiste dessus. Mais c'est long. Oui, après, Dolmanax, t'as rien à faire. Mais après aussi, il faut penser à te connecter tous les jours. Tous les jours. Ouais, l'ocre, après, ouais, c'est plus long. Ouais, quand tu dois aller te faire des gros donjons et tout, pas facile non plus. Voilà la taverne. Oh, j'aurais pu prendre une potion. Hop, la taverne. Non, tu vois, j'avais pas lancé. Hop, si j'avais lancé pour le. C'est surtout les archives qui est long. Les donjons, ça se fait toujours. Ouais, après les archives, faut les trouver. Faut les trouver, ça c'est autre chose. Allez. Et mes donjons bouffent tout le monde. Ça va pas me prendre très longtemps à faire. À faire, ça va être vite réglé. Oui, pour les archives, tu le fais en groupe, comme ça au moins tu t'en fais profiter aux autres aussi. Tu fais pas le gros crevard à toi. Donnez-moi. Je vais garder la tête, même si elle coûte rien. J'aimerais pouvoir tout tuer d'un coup. Bouffe, je sais que j'ai déjà le succès. Voilà. Je vais faire ça comme ça va aller plus vite. Voilà. Ça c'est fait. Après moi je t'avoue, j'essaie de trois pas en gond en ce moment, donc le plaisir c'est très relatif. Ouais, je veux bien croire, parce que j'ai un mec de ma guilde aussi qui essaie. Mais c'est vrai que apparemment c'est chaud quand même. C'est vrai que c'est chaud apparemment à drop.
Le donjon se rush easy, mais le drop a même pas 2%. Ouais, sans headshot, un relou. Tu m'étonnes. Je vais bien croire que ce soit un peu galère à drop. Comme tous ceux qui rushent les donjons Tora ou le dragon cochon avec le taux de drop qui est bas, quand même. Pour le turquoise. Pas encore à 10 tentatives. C'est pas mal, hein, 10 hein. Neige encore? Y'a plus rien. Et alors. Les gens font plus de. Ah, 20 tentats, c'est chaud quand même. Ça fait des ressources après. Un chat, l'histoire de. La cour du Bouffe Royal. Hop, ça rembourse les clés. Ouais, tu m'étonnes. Ça fait péter un plomb quand tu drops une ressource qui a moins de drop que le paragon. Ça m'est arrivé. J'avoue, ça doit faire un peu les boules. Mais après, bon, si c'est une ressource rare, donc c'est tant mieux aussi. Donc 3000 kama. Le maître des clés. Ouais, elle se vend 60 000 kama. Mais, ouais, mais c'est déjà pas mal! C'est déjà ça! 60 000 kamas, bon, quand t'es très haut level, c'est pas ce qui va te sauver, hein! Va pas te permettre d'acheter un item, mais bon, c'est toujours ça quand même! Oui, je me doute. Après, je comprends. Alors, c'est quoi, parangon, déjà? Non, c'est où? Ressources? Là, tu trouveras pas, je pense. Mais c'est quoi du coup? Ah, ici, il y a écrit Nilesa. Parangon de puissance. Ok. C'est ça que t'as besoin, je pense. Lagon d'Inde. Et t'as drop la viande. Il y a un taux de drop encore plus bas. Ouais, je vais croire, c'est rageant, mais bon.
Oui, c'est ça. Mais apparemment, tu peux le dropper sur tout ça? Tu peux le dropper là aussi? D'accord. Ouais, mais après celui-là, c'est peut-être le moins chiant à battre aussi. Et voilà. Ouais, quand tu vois que tu l'as sur guerre, climb et tout ça. Ouais. Misère. Mrs. Freeze. Proto horreur. Ok. Ilza, c'est l'un des boss les plus simples, level 200. Ok. Jamais fait encore, donc. 13 000 à 19 000 PV. Jamais fait de boss avec ce nombre de PV encore. Ok. Alors. Plusieurs, ça on s'en fout. Mettre la bure, je vais faire ça après. Floute. Ben, je pense que ça, je vais pas y arriver encore. Alors, mettre des clés, c'est le tag rouge. Six trente-sept. Oh, faut que j'aille là-haut. Ok. Surtout que tu tapes le mob, il se TP avec toi et tout ce qui a 2 PO au max de toi prennent des dégâts. Donc tu tapes pour le TP, tu vas à côté des mobs, tu tapes le boss, les mobs prennent tarif sale. Ok, ah oui, ouais, ça aide. Ça aide bien, ça aide bien. 5-23, oh, bah, ça tombe bien comme ça, je vais aller prendre le zap. Allez. Donc rapide, efficace, tu m'étonnes. Je comprends mieux pourquoi c'est celui à coup. Tu fais. Alors, je vais prendre le zap. On est parti. Va être long. J'ai pas l'autopilote encore. Un jour, je l'aurai. Faut juste pas finir son tour à côté du boss, sinon tu meurs. Et pas être à 2 PO d'un allié quand tu tapes le boss. Ouais. Ok. Bon, tu mets des patates de forain et c'est terminado. Je suis bien d'accord avec toi. Tu mets bien cher sa race et après c'est bon. Allez, mettre des clés. Mettre les clés. Les tags t'envoient vers moi et ils souhaitent que je te mette à l'épreuve. Voyons voir, j'ai bien quelque chose. Digne du plus grand des guerriers, soyez attentif, je ne te dirai qu'une fois. Ce que tu vas devoir faire sera long, difficile et extrêmement dangereux. C'est l'œuvre de toute ma vie. Si tu suis mes traces, cela peut te prendre toute ta vie pour achever ce que j'ai accompli. Ce n'est pas une tâche qu'on commence à légère, on va procéder par étapes. C'est une clé, trouver la porte galop. Va au fond de l'endroit, découvre et affronte le maître des lieux. Reviens me voir une fois que c'est. Après, faut pas faire de la merde non plus, car le boss, il est une strat, donc faut faire gaffe à pas être trop loin, sinon t'es pas si vite et il tape du moins. D'accord, ah oui. Cinq tours, ouais. C'est rapide. C'est pas hyper. C'est long quand même aussi. Ah non, après ça va, c'est sûr.
Vu après ce que tu peux dropper derrière. Et du coup, là, le parangon, là, t'en as besoin pourquoi? C'est pour une quête que tu veux le drop. Oh, le bulbis, oh, ok. Ça marche. Donjon de squelette. Ouais, flemme de le refaire là pour l'instant. Voyons les quêtes. Voyons ça. Squelette, je crois que j'avais fait. Hop. Salut tout seul. Ok, bah oui, t'as raison après. C'est pas très spécial là. Ouais, donjon squelette, ça fait Ronin. Hein, je l'avais fait entier. En 8 heures. On a fait 4 fois le donjon. Ah oui, c'est pas mal. Franchement, en 1 heure, 4 fois, c'est cool. Il manque juste le quack. Le quacka. Le quacka. En main propre. Et j'aurais fait tout ça. Taper, taper. Ah oui, t'as dû juste taper, taper, taper et hop, on était vite. Ok. Bon. Est-ce qu'on va pas sur Frigost un peu? Il passe 0%. Top moins, puis consommer en famille pépé un peu. Ouais, mais bon. Oui, c'est sûr, tu tapes un peu moins, mais bon, après, c'est. Tu le fais pour pouvoir essayer de drop quelque chose, quoi. C'est important. En plus, ça a tout fondu. Vous faites les petits, c'est bon, bébé. Je suis à 420 pp sur le combat. Est-ce que tu veux que je te donne ça? Est-ce que t'en veux? Ou c'est peut-être celui-là que tu parles, que t'as. Non mais j'en ai. Ah oui, t'as ça. Bon, ça va. Si c'est ce que t'as, ok, ça marche. Mais parce que j'ai eu les compensatons là. J'en ai encore. Où sont les compensatons? Pas de matou. Là, je les ai gardés. J'ai gardé les comptes au milieu, ici. J'en suis gardé 100 encore. J'en avais 150. J'en ai encore 100 aussi. Ok. Je suis pas le seul à faire ça. C'est bien. Ça permet, voilà, le jour où j'ai besoin, comme toi, là, de drop, vraiment drop quelque chose qui est difficile, au moins j'aurai ça quoi, pour m'aider. Oui, ça sert que pour ça. Hein. Je me suis pris aussi celui-là. Si j'avais un jour, si je sais que je fais un gros combat, je vous indique celui. Je vois. Je pense que ça doit être beaucoup farmé pour ça. Hein. Après, ils sont liés ceux-là. Ouais, liés au compte. C'est dommage. Non, ah, mais non, de toute façon, j'aurais pas pu. C'est lié au compte, pardon. Je me suis dit ça, je voulais t'en passer, mais non. C'est lié au compte, donc.
Je peux pas. Je suis obligé de les garder. Eh bien, on va aller sur Free, parce que bon, que je respecte un petit peu ce que j'ai dit. Ce serait bien que j'aille sur Free Ghost un peu. Alors, Youpi, la neige. Oui, c'est ça. Je reparte un peu dans ma neige. Joue au docteur. Vous avez commencé ça là, non? Ouais. Force pour les quêtes. Merci. Après, elle donne pas mal, hein? Elle donne pas mal, donc. C'est ça. Je peux. Joue au docteur. Les quêtes sont parfois bien chiantes, surtout avec le rhume. Alors ça, j'ai fini celle-là. Celle du rhume, je l'ai fini. Donc j'ai plus besoin de le faire. J'ai fait les monologues du vaccin. Donc là, il me reste épidémie. Quoi, il faut le renouveler ou quoi? Non, me dis pas qu'il faut le renouveler le vaccin. Toutes les semaines. Non, toutes les semaines. Oh, cet enfer. Cet enfer. Enfin bref. Bon alors. Épidémie. Ok. 1600, 16 000 kamas, un kama de glace. Hop. Allez, go. Tu seras vacciné contre le tennis. Contre le tétanos? Non, tu rigoles. Voilà. Fallait voir le doc déjà. T'es con. Là, c'est surtout que toutes les semaines, j'ai intérêt à me dépêcher à le faire là. Pour le truc, là, je pense que c'est avec la quête jouer au docteur ou tu dois l'avoir. J'ai intérêt à me dépêcher à le faire, hein. C'est un peu relou au début. Ouais, je veux bien croire. Je veux bien croire. Mais ça ira mieux après. T'inquiète pas, ça va passer, ça va passer. Tout va bien se passer. Alors, voilà, on en est là. Demandez pour le vaccin. Acceptez. Voilà. Vous avez obtenu 7 seringues contre le vaccin, contre le rhume. De quoi sur les parties sur les autres parties? Je sais que voilà, là pour l'instant, j'ai accès à tout ça. Ouais, pour l'instant, j'ai accès à toute cette partie-là. Mais si je veux aller là, je crois que je sais pas s'il faut que j'ai fait le monceau pour pouvoir passer là. Et je sais qu'après, il faut que tu aies fait la zone pour pouvoir passer à la zone d'après. Il faut que tu aies battu le boss pour passer à la zone suivante. Je sais que là, il faut que je batte le gros, faut que je fasse le gros landais pour pouvoir après. Pour après avoir ici à le sur ce parti-là, après l'Obsi pour pouvoir accéder à cette partie-là. Tanir Givrefou pour pouvoir accéder à la partie suivante. Ouais, je sais que c'est donjon pour zone d'après. Ouais, j'avais fait parce que j'avais fait sur mon sur Touch.
Sur Dofus Touch, j'ai un Sakri aussi, mais 191. Donc, tu vois, j'avais commencé ces zones-là. J'avais commencé toutes ces zones-là, donc ça avait été plus simple. Ouais, Nilesa, il est ici, ouais. Dans cette partie-là, là. Wadazak, Colosso. Ok. Bah alors. D'ailleurs, ouais. C'est trop de repères là. Je vais en enlever quelques-uns, je pense. Donc juste quand tu fais un donjon en vrai, soit t'avances autour du monde avant de les faire. Ouais, mais là, tu vois, j'avais envie d'aller un peu, d'avoir un max de quêtes liées au donjon pour tout faire d'un coup. Ouais, c'est le mieux après, c'est sûr. C'est sûr, c'est le mieux. Alors, Kentucky. Mais pas obligé. Non, non, c'est sûr, mais c'est vrai que. Avoir des petits conseils et tout comme ça, donner le vaccin contre le rhume. Avoir des petits conseils, justement optimiser de son expérience et tout, c'est toujours bon à avoir. Ça aide. Après, on va en 4, moins 84, moins 42. Plus d'offus pour les noobs, tu cherches le donjon et ils te disent les quêtes. Oui, c'est ça. C'est pour ça que j'aime bien ce site là, parce que franchement, ça, t'as tout qui est répertorié et tout. Franchement, c'est super. T'as tout qui est mis, qui est répertorié, tu trouves facilement. C'est bien expliqué aussi. Merci, merci beaucoup pour ton follow. C'est super sympa, merci beaucoup. Ça faisait longtemps que j'en avais pas eu un en plus. Donc franchement, ça fait super plaisir. Enfin, que j'avais pas eu un en live. J'ai des amis qui sont venus et tout, mais là, franchement, ouais, merci beaucoup. Donc en plus, maintenant, c'est toi qui vas être affiché en dernier follow. Ton nom qui va être affiché. En plus, tu me donnes super de conseils. Tu me donnes de super conseils et tout, donc franchement, si sur un prochain live tu peux revenir, ça sera avec grand plaisir. Tu m'aideras comme ça en plus. 77-38. Après, si jamais tu veux, tu passes en jeu et tout, ça sera avec plaisir aussi, hein. Oh là là. Je rêve de cette potion d'autopilotage. Ah oui, bien sûr, c'est si tu le veux. Et franchement, c'est. Je pense que c'est même si tu le proposes, parce que moi, je te demanderai pas. franchement, non, je suis pas. Le vaccin. Je suis pas dans le sens où je vais te faire chier pour ça. Non, non. Si tu le fais, c'est avec grand plaisir. Mais après, c'est que si tu veux. Pour le moment, ça va. T'as surtout du bashing de mob en masse. Ouais. Ça va. Va falloir que j'aille en taper du mob. Taper du mob un peu là. Mais pourquoi j'ai pas le reste là? Ernest Lay. Ça va, ils sont un peu nuls. Oui, ça va. Franchement, c'est pas non plus 77-39.
En plus, là, ce qui est bien là, sur Dofus pour les noobs, c'est t'as même sur les quêtes, dans quel ordre, dans des quêtes là, comme je suis en train de faire, ils te mettent l'ordre optimisé. L'ordre optimisé pour pas que tu perdes ton tellement de place. Les objets de quête, les camas de glace et tout ça, ça ne sert à rien. Je sais même pas à quoi ça sert les camas de glace. Tu peux en faire, t'en fais quoi après de tout ça? Salut Selma. Merci de passer sur le stream. Ah, c'est gentil de préciser, mais je m'en doutais un petit peu. Allez, chargez contre des trucs sympas où il y a des quêtes vite fait qui te demandent d'en avoir un peu. Ok, ça marche. T'es venu voir si